La plupart des choses que je vais vous présenter ne sont pas vraiment des spéculations, mais plutôt des extrapolations à ce milieu extracellulaire. Ce qui se passe dans la cellule, où les propriétés de l'eau ont été très étudiées par les biophysiciens. Un très bon week-end pour conclure ce championnat 2015. Donc des belles manches, des belles régates, donc 12 manches au total. On a bien performé hier, on a pu contrôler la situation aussi aujourd'hui. Donc on termine sur le podium avec une troisième place. Puis c'est très positif pour l'équipe parce qu'on a eu pas mal de changements cette année. C'était un peu difficile. Et puis là, de performer sur ce dernier Grand Prix, c'était très important pour nous. On aurait bien aimé accrocher les deux premières places, mais on peut dire que les deux équipes, que ce soit Tilt ou Wellingi, ont quand même dominé la saison par rapport à ça. Ils étaient un cran au-dessus au niveau technique, au niveau de la vitesse. Et je pense que surtout Tilt qui a beaucoup travaillé cet hiver, beaucoup navigué en amont. Tilt est présent sur le circuit des 35 depuis 2013. L'année dernière, en 2014, on avait fini 6e. On a surtout très bien analysé, j'ai envie de dire, la saison 2014, quelles étaient nos forces, nos faiblesses. Et on a structuré, préparé la saison 2015 en fonction de ça. C'est une grande satisfaction. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions à bord aujourd'hui. Et je pense que si ce soir on était deuxième, on n'aurait pas eu les mêmes sourires. Donc, ouais, on est très content d'avoir pu rebondir après cette fin de saison assez compliquée pour nous. Par rapport à la reprise, on n'a pas changé grand-chose. On savait comment gagner les manches, comment gagner les Grands Prix. On a juste essayé de garder confiance et de rester assez calme. Ça a fini par payer. On a peut-être été aidé aussi avec des conditions où on marche assez bien, quand le vent est assez soutenu.
Je dois dire qu'aujourd'hui, on perd. C'est justifié, mais on a fait de très très belles choses. Je me sens très confiant pour la saison prochaine avec moins de contretemps au point de vue des équipiers. Je pense qu'on sera là comme on l'a été l'année passée. On se réjouit de recommencer.